Lost se fait tuer, on retourne sa dépouille face contre terre. Et on oriente sa tête vers son pays. Son arme est placée à côté de lui. Si on fait comme ça, c'est pour qu'une fois de l'autre côté, nos chers disparus puissent veiller sur nous et garder un œil sur l'ennemi. Mon père était mort, on pouvait rien y faire. Mais Logan et moi, nous étions toujours là. La Fédération était toujours là. Rourke était toujours là. Cette guerre n'en était qu'à son début. Adieu, papa. Je ne prendrai jamais ta place. Mais je mourrai en essayant. USS Liberator, ici Phantom 2-2, en approche finale. Bien reçu, Phantom 2-2. Autorisation d'atterrir, le pont est prêt. Merrick, il faut qu'on le poursuive. Il me faut Rourke. Négatif, Ash. Les satellites de la Fédération se mettent en position. S'ils les activent, les fédérés pourront frapper n'importe où dans le monde. C'est quoi le plan? On prend le risque de perdre tout ce qui nous reste, y compris notre dernier porte-avions. Et on attaque la Fédération sur son territoire, au sol et dans les airs. C'est tout ou rien. Pour l'assaut, il faudra une équipe Ghost au sol. On sera prêt. Et c'est toi qui commanderas, Ash. Vous venez pas? Je serai en soutien. Je coordonnerai vos ressources. Ton père était un grand homme, un grand chef. Et il a vu le même potentiel en vous deux. Tiens, Logan. Ça lui appartenait. Désolé, t'as fait ton travail. Tu pars avec Merrick. Ça va aller. À toutes les unités, forces fédérées dans notre espace aérien, présentez-vous à votre poste pour interception. Niveau d'alerte 5. On les aide à nettoyer le pont, et on trouve un moyen d'atteindre la base satellite. Nous sommes abordés à toutes les unités, je répète, nous sommes abordés. Avec des satellites opérationnels, ils peuvent nous frapper où et quand ils le veulent, et nous pulvériser. On doit les contenir, et envoyer les forces d'invasion. Ennemis sur le pont. Les Hornets ont décollé, je répète, les Hornets ont décollé. Et nous pulvériser. On doit les contenir et envoyer les forces d'invasion. Ennemis sur le pont. Les Hornets ont décollé. Je répète, les Hornets ont décollé. Combien de temps l'Osprey sera-t-il opérationnel? On finit de le charger. Il sera prêt à décoller dans 2 minutes.
Utilise les commandes de visée. Va falloir quitter les largages. Il va revenir en virage serré. Soyez prêts à marquer ses cibles. Il nous faut un transport pour rejoindre l'offensive contre la base. Bien, chef. Les hélicos sont en route, mais il faudra plus de démoins pour... transport. À toutes les unités des Zodiacs de la Fédération approchent par le nord. Le gaz va au bord du navire. Allez, tente d'aborder le navire. Détruis ces Zodiacs. Des ennemis escaladent le flanc du navire. Dans une minute. Attention, plus de 10 embarcations ennemies approchent du Carolina par l'est. À toutes les unités, des renforts de la Fédération arrivent par le nord. Viper 6 en approche. Le NORAD détecte plusieurs missiles qui entrent dans l'atmosphère. Les satellites sont opérationnels. Préparez-vous à l'impact. Go, go, go! Le NORAD détecte plusieurs missiles qui entrent dans l'atmosphère. Les satellites sont opérationnels. Préparez-vous à l'impact. Go, go, go!
La tour se fonde! Sur la droite! Attention à la frêne! Attention! Fonce vers l'hélico! Allez, Logan! Monte, on y va! Ça venait sûrement des satellites de la Fédération, cette saloperie est opérationnelle! On n'a pas le droit à l'erreur! On rejoint l'offensive principale et on détruit la base satellite! Sinon, cette guerre est finie!